Si est-ce une histoire qui ne semble pas trouver d'issue. Les tensions restent vives entre le prince Harry et Meghan Markle et la famille royale britannique. Le journal The Mirror révèle dans un article paru vendredi 12 novembre révèle les échanges de Meghan Markle et Jason Knopf. Ce dernier est l'ancien chargé de communication du duc et de la duchesse de Sussex. Des échanges qui datent de l'époque où Meghan Markle rédigeait la fameuse lettre à son père Thomas Markle, dont le contenu a fuité en février 2019. Dans les SMS parus dans la presse, elle évoque la souffrance causée à H, à savoir le prince Harry. Même après une semaine passée auprès de son père, note de la rédaction, le prince Charles, a lui expliqué inlassablement la situation, sa famille semble oublier le contexte, a-t-elle écrit. Point, en agissant de la sorte, je protège mon mari de ses réprimandes perpétuelles et peut-être que, même si si est peu probable, donnera à mon père l'occasion de tout mettre sur pause. Rebondissement dans le procès intenté par Meghan Markle. Pour les juges, cela prouve que Meghan Markle était consciente du fait que le contenu de la lettre pouvait fuiter dans la presse. Un détail important dans le cadre du procès qui oppose Associated Newspaper Limited, ANL, qui diffuse le Daily Mail, qui a publié le contenu de la lettre, à Meghan Markle. Le journal avait été condamné à payer 520 000 euros à Meghan Markle pour ses frais de justice. Les avocats avaient fait appel. Un long feuilleton qui n'est pas près de se terminer. Loading reject.